Vieillard, là. Je vais sortir du jeu. Tu rigoles, toi. Dark Licorne. Mais il boit. Putain, tu cherches trop, toi. Il lui a enlevé les yeux des Luigi. Il est venu en ville il y a quelques jours, à la recherche d'un serviteur de la démon Lilith. Un homme pâle. On dirait que ce qu'il a trouvé ne lui a pas plu. Je vois. Par l'autre coin que sa bagnole. Je vais m'en charger. T'appelles ça une voiture, toi ? Moi, je dis pour faire chier Dark, il faudrait que tu coules les yeux de la licorne sur ta culotte. Je vous le laisse. Ils en font des culottes comme ça. J'ai déjà regardé. Ouais, mais tu vois, c'est si t'as le truc de la licorne avec, c'est pour faire autre chose. Tu mets juste les yeux de la licorne et puis voilà. Dark, il préfère la corne que les yeux. Après, je peux lui présenter ma copine de fenêtre. Que voulez-vous ? Elle est petite. Vous m'avez dit de vous retrouver un petit peu poilue. Vous vous rappelez ? Oh, vous avez fermé, oui. Elle est noire avec des petites pattes. Juste surpris de vous voir en vie. Donnez-moi cette. Il y en a 8, ça. Que vous est-il arrivé ? Mes mères, là ? J'ai été attaqué. Vous le voyez bien ? Par de grandes quantités d'alcool. Je vais aller chercher ma SMG, tu vas voir, t'en as rien. Par ma propre traîtresse. J'aurais attrapé avant, t'inquiète. Ah, c'est pas grave. Après, je vais fusiller ta chambre. Bagarré avec une chèvre. Il n'est connu jamais dans ton lit, hein. Ouais, c'est ça. J'ai à croire que je l'ai vaincu. Lorat, qui est l'homme au tympan ? Faut jamais trop énerver. On va demander à Kiki de te ramener sa Maïtika. Elle est morte, sa Maïtika. C'était Oradrim. Un Oradrim ? Vous devez le connaître. C'est la taille de son visage quand il s'en mettait dessus. Son nom est Elias. On faisait penser à Alien, du coup ? C'était mon apprenti. Non. C'est lui qui a amené Lilith à sanctuaire. L'Alsacien, lui aussi. C'est possible que je n'ai pas très bien digéré la nouvelle. Que devons-nous faire, alors ? Je sais pas, ma Maïtika, elle n'est plus là. Elle est brute. Découvrir ce qu'il a fait. Des migales. Puis le tuer. Écoutez, il y a une femme dans les environs. Nous aurons besoin de ses messages. Je ne suis pas d'une grande utilité actuellement. Allez la voir. Nous avons perdu assez de temps. Renseignez-vous dans le bâtiment. Voyez si quelqu'un a entendu parler du monastère d'Orbet. Fatigué, Tarkiki. Un peu. Aucune nouvelle d'Orbé. Oh, bah alors. Comme hier et avant-hier. Mais. Pour dormir la nuit. Chose. Je peux pas, je joue au Diablo. Moi en fait, ça va, de 9h à midi, ça m'a suffi. Je me suis reposé tranquille cet après-midi sans dormir. Et depuis quand t'es humaine, toi ? Après la performance de Laura hier soir, je parie qu'il voudra savoir. Attends, mais Twitch, il y a une pupute sur Twitch. Étrange. J'ai écrit au monastère d'Orbet le jour de mon arrivée. L'abbé aurait déjà dû me répondre. T'écris n'a fait mention d'une rumeur. Un homme au teint pâle aurait été vu près des gorges. Les gorges ? Et quand alliez-vous le dire ? Nous partons sur le champ. Nous partons sur le champ. Mais on ne peut pas laisser Orbet sans surveillance. Voilà. Bon, allez, je pars pour les canyons. Twitch. Vous pouvez me rejoindre là-bas ou m'attendre au monastère. Et en silence. Vous m'avez l'air d'une personne de confiance jusqu'à présent. Bon, ne me décevez pas. Je suis en silence. Ouais, t'es en silence, ouais. Oh. 34 XP, oui. Alors. Bon, on va aller là. Genre dans la quête principale, histoire de prendre le cheval, parce que je... Ouais, moi aussi, c'est ce que je suis en train de faire, je rush l'histoire principale. J'ai pas fini le monde 2 à fond, mais tant pis. Je sais même où j'en suis. Acte 2, ouais, j'en connais. Partie de l'acte 2. Et toc. Tu as ombre envahissante. Sonore de la carte.
Oui, et récupérer. Allez, il y a un combat là, hein, putain. Chumpo. J'espérais trouver quelqu'un ayant vu Elias. À la place, je trouve un campement de marchands morts. À l'évidence, ils ont été massacrés par des démons, mais aucun n'a été invoqué ici. Nous devrions fouiller les gorges. Elias a-t-il pu invoquer ces démons ? C'est pas drôle, on la crame pas. Et si c'est bien le cas, il pourrait encore être ici. Oh, Yann, son putain de micro là. Moi, je fais les poches des mecs qui sont morts. Hein. Je ne suis pas encore prête. Il faut attendre. Il me faut plus d'énergie. Yop, une esquive. Je ne suis pas encore prête. On dit qu'un tailleur de pierre vit dans cette maison. Un certain Genbar. Un endroit caché, isolé. Parfait pour travailler en solitaire. Ça me rappelle votre maison. Hein. Assez d'énergie. Oh, il manque vraiment tout le temps de l'énergie. Là. Pas mal son pouvoir à lui. Là. Thank you.
surgisse une faille infernale. Je vais la fermer, éliminez-les. J'ai pas assez d'énergie. Je n'ai plus d'énergie. Je ne suis pas encore prête. On va pas tourner, t'inquiète. Et ouais, les gars. C'était trop facile. Ces démons n'étaient que de sales vermines. Décevant de la part d'un mage aussi puissant qu'Elias. Fouillons la maison. De la merde. Hop. Attention, Elias est peut-être encore dans les parages. Voyez ce que vous pouvez trouver. Aujourd'hui, mais... Oh là là, chial de service. Oui, une baffe. Un des gamins dehors, c'est ça? Ah ouais. Quelle boucherie. Ça fait bobo. Ouais, je suis bientôt au niveau 40. Ouais. Ouais, moi je suis paragon. Parlez-en, frère. Nous arrivons trop tard. Elias est parti depuis longtemps. Espérons qu'il puisse encore répondre à nos questions. Je résiste un peu mieux avec mon druide, maintenant avec ce nouveau build. On va aller fouiller quand même. Si ça descend là, c'est qu'il y a une raison. Coucou les méchants. Coucou. Voilà. Tout ça pour de la thune. Ah, une statue de Lilith. Intelligence plus 2 augmentée. Oui, je sens toute l'intelligence. Oui. Ah ouais, il est fan de Lily, tu es. Merci d'avoir envoyé Maître Elias pour me montrer la voie. J'attends avec impatience le jour où nous nous tiendrons à vos côtés pour allumer le feu purificateur. De la visite? C'est Maître Elias qui vous envoie? Maître Elias? Oui, il nous a convoqués. Notre mission est des plus importantes. C'est sans pipeau tout ça. Nous avons quelque chose à donner au maître, et nous pensions qu'il était avec vous. Savez-vous où il est? Oh, mais je suis mort de quoi? Menteur.
sale menteur, fils de truie. Oh là là, l'insulte. Le maître a tout ce qu'il lui faut. Mais qu'il faut que je me fais one top, je sais pas pourquoi. Debout, misérable. Venez à moi. Là, il y a des mobs qui explosent. Moi, ouais, mais... le mini boss, je l'avais fumé. Je n'ai plus de quoi attendre. Là, je reviens, il n'y a pas de mob particulier violent. Je n'ai plus d'énergie. Il faut attendre. D'énergie. Maître Elias, entends mon appel. Tes ennemis sont là. Ah ouais, il parle au statut lui. C'est gentil ça. Et gentil, ça, si t'as quelque chose pour nous. Voilà, véritable démon. Surveillez vos arrières. Ouais, niveau 40. Il faut attendre. Je tiens à remercier Dave, sans qu'il s'est arrivé. Quoi, j'ai fait quoi, moi? Pas encore prête. Il me faut plus de temps. Pas assez d'énergie. Fais-moi, Elias, quel homme cruel tu es devenu. D'abord, les mauvaises nouvelles. Jenbar attendait quelqu'un. On dirait qu'Elias et sa folie ont fait des émules. Il a aussi dû leur apprendre des invocations. Vous avez entendu Jenbar. Le maître a tout ce dont il a besoin. Il prépare quelque chose de terrible. Et les bonnes nouvelles? Elias nous a fait un cadeau, vous vous rappelez? Ce démon qu'il nous a envoyé est unique. Il doit être constamment nourri, de sacrifices humains pour être précis. Si je lui ouvre le ventre, une de ses victimes pourrait nous indiquer sa provenance. Oh, dégueu! Il faut que je l'amène à Khedbardou pour l'examiner. Rendez-vous utile et partez pour le monastère d'Orbet. Voyez ce qui retient plus un point de paragon, plus de puissance.
Necrolarcy 33. Ah, t'es niveau 33 et t'es ici? D'accord. Il y a des araignées partout là. Pas de moine, ni de protection. Pourquoi ai-je l'impression d'être observé? Oh, ça a pu ça. Le Ratnar, votre missive m'a fortement surpris. Votre charmant disciple est arrivé ce matin avec des nouvelles tout aussi inquiétantes, mais il n'a pas mentionné votre nom. Dois-je en conclure que ce n'est pas vous qui l'avez envoyé ici? Merci de venir à Orbay dès que possible. Il y a quelqu'un ? Dans la sacristie. Verrouillez les portes. Verrouillez les portes. L'abbé. Faites ce que je vous dis. Putain, je touche que de la merde, ça me gave. Je me demande bien sur quoi je vais tomber. Le voilà! Ah, nous un appel. Ouais, mais enfin, je peux plus bêcher. Il est pas un peu tôt pour un appel là? Il est pas minuit 40, il est 21h40. Ouais, t'as 3 heures d'avance, c'est pas normal. Pas assez d'énergie. Ah, vous êtes des gamins, on sait! On a su! On est des putes! Oh. J'aime pas les esprits rouges là, casse les bonbons! J'étais si enthousiaste quand je suis entré dans la sacristie ce jour-là. Enfin, mon tour d'entrer dans les archives et d'explorer le savoir interdit était arrivé. Aujourd'hui, je donnerai tout pour oublier ce que j'y ai appris. Je n'ai plus d'énergie.
Je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prête. Tournez, vite tournez. Ouais, j'étais sérieux, je suis à 10 mètres de toi là. Et... Non, non, c'est un autre pote, il voulait que je vienne rejoindre pour faire du Warzone. Ah, Warzone, ouais, c'est compliqué, hein. Il est aussi Diablo, je crois, il veut pas. Il a déjà joué toute l'après-midi. J'ai envie de jouer à Diablo. On a joué toute la nuit. On a arrêté ce matin, il devait être 9h. À 9h ce matin. 9h moi. Ouais. Là en tout cas, ce mois 9h je dormais, je crois. Ah non, j'étais en train de regarder mon truc là. Non, tu dormais pas dessus. Non, tu t'es en train de casser les couilles. Qu'est-ce que t'as toi là? Te faut dire qu'elle a signé. Et en tout petit, c'est écrit ce mec va casser les couilles pendant encore 40 piges. C'est tout. Elle avait qu'à lire. Basta. Moi, j'ai juste une remarque. Si tu veux les casser les couilles, y a pas de souci. Mais fais-le quand on n'est pas en groupe, quoi. Si. Y a pas d'heure, y a pas de moment. C'est tout. C'est open. Y'a pas d'heure, bref. Exactement. Ni un Ordrim, ni un homme, un diable. Toi, c'est pas parce la que. Ouais. Un matin, un midi, un soir. Ouais, bah j'ai pas parce qu'il a un gros cul qu'il met tout dans le cul non plus. Pendant 7 jours. Il est pas gros, enfoiré. À cause de toi, Nacho, là, dans quelques jours, il va venir. Le premier truc qu'il va faire, tu dis attends, là, je dois. Salut, Zapan. Je dois regarder un truc, là. Ouais, ça va, il a pas de chance avec. Hier, je t'ai invité, tu m'as snobé. Oh. Bah, hier, j'ai pas joué. Ah, t'étais. J'ai joué 10 minutes. Ah, bah voilà, pendant les 10 minutes. Là, j'ai dû créer un foyer. Ah, bah non, bah t'as dû m'inviter quand je suis parti. Ouais, t'es parti. Enfin, bah les couilles, c'est pas Destiny. Bah, je m'en fous. Il a rien à voir dans l'histoire. Moi, je veux qu'il mette une fessée. C'est Diablo. On va dire, j'ai rien à foutre. Sans pantalon. Diablo, c'est Diablo, Destiny, c'est Destiny, c'est pas chier, c'est ton jeu. Tu parles Destiny, on peut même pas y jouer. Hein. Il avait dit que la maintenance c'était jeudi. Bam, on est jeudi. Ah oui, c'est que si, il avait dit que c'était aujourd'hui la maintenance, on en a parlé. Il faut des maintenances n'importe quand. C'est... Les maintenances qu'à soit qu'on puisse le jeu. Lol, maintenance d'urgence, je pense que c'est des maintenances, je pense. Ah oui, Piki, bon, ça va. Bah ça va et toi? Bah oui. Par cette chaleur écrasante là, putain. Ouais. Ouais, il fait lourd là, j'aime pas. Ouais, il fait super lourd. Hein. Il va pleuvoir ce week-end théoriquement. Tu parles, il va même pas pleuvoir. Bah, c'est Nacho qui est content. La météo, elle a changé. Ah, mais province. Pourquoi c'est pas ce week-end toi, Nacho, que tu viens? Bah oui. Donc Yann, en fait, si tu veux, à province, il peut pleuvoir et pas chez nous. Je pars demain. Des fois, il pleut à Nangy et il pleut pas chez nous. Il me faut plus d'énergie. Si la province, tant pis pour Nacho, mais nous, il n'y aura pas de pluie. Nacho, il sera puni. Il sera hydraté. Bah, il verra les combats dans la boue, c'est pas grave. Nous, on sera tranquille sans pluie, pendant que lui, il sera sous la pluie, c'est tout. Bah, j'espère que Nacho, il va passer quand même, qu'il va pas faire comme... Comme d'habitude. Je passe à province, moi. Oh, je suis à 20 minutes de province. Non, on n'est pas à 20 minutes. Bah, si, arrête. Non. Quand c'est toi qui conduis, ça dépend non. À quelle vitesse tu Merci, Google Maps.
Ah, Google Maps. Google Maps, il a été écrit, il a été écrit par une femme alors. Ça fait 50 minutes. Au revoir. Putain, mais à peine ça met ce truc là. C'est pas 20 minutes. Hein. Mais si, c'est 20 minutes. Non, non. C'est marqué sur Google Maps en respectant la vitesse autorisée. Si tu respectes pas la vitesse, c'est plus rapide. Mais de quelle vitesse? Si tu respectes pas les virages, il y a des vitesses autorisées, je savais pas. Hein, si vous dites pas tout, ouais, j'ai 5 heures de route lundi, on part, on va pas sur une heure de plus. Bon, je m'en fous, hein, fais ce que tu veux, tu viens pas, tu viens pas. Pas chialer. Hein. Oh là là. Tu étais en train de le faire il y a 2 minutes. Non, non. T'appelles ça chialer, toi? On retourne regarder le guide. Pas que pas venir sous Provins en même temps, alors, tu vois. Ah, bah c'est à moi de venir maintenant, la blague. Bah, voilà, oui. Je vais pas me taper 50 minutes de voiture. Voilà, hein, allez, bouffe. Avec mon dos, c'est mort. Hein. Allez, bouffe. Ah non, c'est mort avec mon dos. Servait autrefois allez, à voilà. Codifier les hérésies. Ouais, il faut faire tous les efforts d'un côté, d'eux, ils font rien, quoi. Non, moi je peux pas, c'est pas que je veux pas, tu vois que je peux plus travailler dans mon taf, alors c'est pour. Ah, mais Zapan, il est juste là pour foutre sa merde. C'est une salope. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Connaissances sont parce que tu es en train c'est diffamatoire. Ouais, et tu vas faire quoi? Hélas, non. T'es en live, là? Non. Bah oui, il est en live. Ah, mais y'a plus de jeunesse. Je suis pas me taper une heure, blabla. Ouais, on va tous aller dans la rue des artistes. Exactement. Faut-il faire des longs trajets? Ouais, non, j'ai déjà, c'est compliqué. Déjà, quand je vais à côté pour mes scans IRM, je te dis pas, alors aller jusqu'à Provins. Jusqu'au soir. Ah, il reste un vieux. Je le garderai en sécurité. Je suis pas sûr, le numéro c'est le 28, c'est ça? 8. Ah, bah, tu vois, j'avais le 8 dans la tête, mais je sais plus s'il y avait un chiffre derrière devant. Oh, on aurait bien fini par tomber dessus, t'inquiète pas. Bon, bah, j'aurais gueulé dans la rue, hein. Ah, ouvert. Non, mais franchement, j'aurais pu, oui, on sera jusqu'à Provins, mais moi, c'est mort. Il s'est emparé du savoir interdit. Allez, calmez-vous. J'ai dégagé la voie. Je comprends, c'est trop fatigant de venir chez moi. Il n'y a pas d'issue. Le savoir qui nous reste ne doit pas sortir. C'est plus de jeunesse. Jusqu'au soir, je le garderai. Oh, faut surtout voir les 5 heures de route à faire déjà demain, putain. Nous devons. Laure, elle est enceinte de 8 mois, elle est partie dans le Jura. Vas-y. Oh putain, je savais, c'était sûr. Oh là là, y'a des méchants partout. Oh, y'en a partout chez moi. Restez dans le poison, les gars. Restez dans le poison. Voilà. Dark Lucifer, c'est en ligne. Ah bon, ça fait un moment. Hein. Non, c'est le notif Twitch. Ah ouais, bah ça fait 34 minutes. 35 même. Ouais. Sombre Lucifer. Imagine demain je me fais hacker mon compte, je reviens, je m'appelle comme ça. Yann, t'es le premier suspect. Direct le suspect. Ouais, si c'est Dark Lucimiel, ça sera mon cas. Oh, si c'est Lucimiel, ça. Pas marrant. Dark Lucifer. Si c'est Lucifiac, c'est Zapal. Bon, tu parles à son âge, il arrive déjà pas à envoyer un mail sans mettre 3 paires de lunettes. Et concentré, Zapal. De où? J'ai entendu les cons, c'est tout ce que j'entends. Concentré, ça reste à voir. Là. Quoi, je t'avais dit. Concentré, c'est un trou. Estipé. Je ne suis pas encore prêt. Putain, comme par hasard, les espèces de fantômes à la con là, c'est eux qui font le plus mal. Les Banshees? Ouais, les fantômes rouges. Ouais, c'est. Putain, là, le 2 il est ultra court en fait, c'est un truc de ouf. Je suis au 3, moi. Ouais. Bah, je viens de terminer avec le 2 la mission qu'on avait fait ensemble. Ouais.
Ouais, l'acte 1 est un peu plus long. Du là? Mais t'es sérieux, facochère de merde? Putain. On a retrouvé... Pourquoi c'est pas moi? On a retrouvé l'homme qui a été élevé par des porcs. Bon, on a tous été élevés par des porcs. Oh non, moi je rôde pas, mon gars. Non, tu pètes. Même pas. Quel mytho. Moi je veux des preuves. La dernière fois, il dit c'est quoi ce tolère? Ah bah c'est moi! C'est ta parole encore? Moi je me rappelle pas. Oh, ça veut dire que quand tu pètes, putain! Interdit de venir dans mon setup, à chaque fois que tu viens chier dans mon setup pour. Mais je vois pas de quoi tu parles encore une fois, toi. Je te connais même pas, t'es qui? T'es qui? En plus, il fait trop. Qui êtes-vous à l'âme? Ouais, t'es l'ami de quelqu'un dans le groupe, toi, pour parler là? Je ne connais pas là. En plus, là, t'as pas de chance. Parce que son cul est tellement large que ça fait des. Ta gueule, putain! T'as plein d'air sur les côtés et l'odeur elle se disperse. T'as collé qui se disperse à toi. Il couillon celui-là. Et lui, quand il pète, ça fait mégaphone. Hein. Non, mais le gars il a cru que j'avais une clim entre les fesses. Non, mais la blague quoi. Elle a la place pour cacher un compresseur. Non, mais... On l'appelle le Grand Canyon au milieu. Ah putain. C'est comme ça qu'on aurait plein de choses, il serait pas dégonflé pour venir. Oh, j'ai réussi à l'esquiver. La chaud, il a peur de repartir avec deux troncs. C'est surtout qu'il a peur. Hein. À la base, on devait se rencontrer sur Provins et pas. Bah ouais. Ouais, mais à la base, il était pas blessé. C'était il y a 6 mois et ouais, alors elle était. Il y a 6 mois, j'étais pas. J'étais pas. T'as foutu, pas lu les petites lignes. Ouais. Le verdict, il est tombé. Je peux même plus faire mon taf. Alors, moi, ce que je me demande, c'est qu'ils ont encore sur Melun, faut que je trouve encore un autre hôtel alors après. Quand je suis allé voir mes petites mamies. C'est mais ça roule bien. Je hein. peux pas me taper tout. Pour Vananger, ça roule bien. Après les hôtels, il y a Rubel. Hein. Rubel, t'as au moins. Ouais, sans te mentir. Non, mais après, faut que je rentre chez moi. Hein, j'ai 5 heures de route après. C'est ça le truc. Bah, et alors il y a l'autoroute à côté. Et alors détail. Mais non, mais y a c'est l'autoroute juste à côté. Harry Potter, quoi. Bah, oui, il y a l'autoroute. Mais laisse-le. Oui, l'autoroute est juste à côté de chez nous. Ah non, et j'ai beaucoup de nationales. Hein. De Mulhouse jusqu'à Provins, j'ai beaucoup de nationales. Hein. À l'autoroute, t'es sérieux, toi? Mais la moitié. Faut payer les péages. Non, bah ils disent que le trajet le plus rapide, c'est faut passer par des nationales. Faut, y a pas que de l'autoroute. Tu sais à qui il me fait penser, ah ouais. Yann? Il me fait penser à un smiley. Ouais. Ah mais moi je viens pas chez toi en voiture. Y a le périph. Ah y a le périph chez toi. Ah ouais y a le périph. C'est pas une question de périph, c'est que j'ai. Non mais c'est, ça reste une excuse en fait. 6 heures de route. Ça reste une excuse. Mais j'ai pas envie de me taper 6 heures de route. Bah 5 ça dérange pas, mais 6 oui. Bon. 6 heures de route, c'est rien. Moi, quand je vais en Bretagne, j'étais en Twingo, j'ai mis 7 heures. Oh, mais le pied, la Twingo, je connais aussi. Des gens c'est un karting, le bordel. Chaud, qui se tape même 18 heures de route à son âge. Ouais, mais moi, j'aime pas rouler, déjà. C'est moi qui suis obligé de rouler tout le trajet, en plus, alors. Alors, t'imagines, et la personne, elle a pas le permis. Si, mais c'est une feignasse. Non, mais elle a jamais roulé en automatique, elle a pas... Mais c'est le pied, l'auto. Alors, j'ai Laure qui est là, qui peut témoigner. Le Merco, elle l'a pas pris pendant 2 ans. J'ai forcé, hein. Allez, j'ai forcé comme un porc. Hein. Mode le Renoir qui veut un numéro, tu vois. Allez, s'il te plaît, cousine, allez, s'il te plaît. Cousine. Hey, la gazelle. Allez. Oh, cousine. Elle a fait bon, allez, je vais la prendre, madame. Ta merde. Putain, elle a pris la bagnole, elle a appuyé dans le rond-point, elle s'est retrouvée de l'autre côté, elle a dit, waouh, trop bien. Voilà. C'est tout. Faut forcer des fois, hein. si t'écoutes les non, gens. C'est bien les autos. Bah, bien sûr, c'est les bien. Zapan. Surtout pour les longs trajets, c'est tranquille. Hey, Zapan. Est-ce que tu suces? Tu sais pourquoi les gifs ils ont un grand nez? Non, mais c'est bon, t'as. Oh. Comme le toit avec ses blagues. Parce que l'air il est gratuit. Oh, les sales gosses, ils recommencent. Je vais aller voir Goldo pour lui demander c'est quel logiciel qu'il utilise de montage gratuit. L'autre fois, c'était dans le train que t'avais fait ta blague, hein. Ah bah comme les juifs.
Ah oh, pardon. Comment je m'en bats les couilles? J'ai des flux d'énergie. Allez, prenez ça, bande de chiens. Tu sais c'est quoi le plus bel hôtel du monde? Ah, je sens la connerie arriver. Allez, vas-y. Ouais, dis ta bêtise. C'est Auschwitz, car il y avait plein d'étoiles. Ils rigolent tous. Couillon. Oh le couillon. Bon écoute, vaut mieux en rire maintenant qu'en pleurer. Hein. Bien. Comment ils faisaient les desserts à l'époque? En faisant 6 ans de route? Non. Quand ils voulaient du caramel, ils brûlaient les diabétiques. Oh. Oh, je pense pas qu'il y avait beaucoup de diabétiques à l'époque, vu la pauvreté. Tu sais pourquoi Hitler il aimait pas le Coca-Cola? Parce que ça dégazait? Non, quand il ouvrait sa canette, il entendait toujours juif. Et, bah il fait comme moi, hein, tiens, il va voir l'ophtalmo, enfin l'ORL, et puis il se fait opérer. C'est un grossiste allemand qui dit à son client juif, fais-moi confiance sur ce produit, il va faire fureur. Il va se faire démonétiser direct. Alors, muté... What? Mais attends, je rêve ou elle est vraiment en train de m'attaquer à travers la porte? Oui, c'est normal. Il faut attendre. Mais je les ai déjà vus, ces statues. Oh, mais non, il y en a une autre qui est à l'autre bout, là-bas. Ouais, je vais attendre d'être level 50 pour terminer l'acte 3. Faut pas recommencer l'acte 3. Dès l'aube, mes yeux se sont ouverts. Moi je suis à l'acte 3, je sais pas. J'ai attendu d'être 50, mais c'est vrai que ça. Jour, ça me pique en fait de. Comment t'expliquer de faire. De pas faire la carte à 100% avant de passer à la 3ème. Dans la nuit qui suit également. Ça me pique. C'est un peu ça en fait. Parce qu'en fait, je voulais t'attendre justement pour faire taper tous les donjons du secteur 2. Et après Yann m'a dit, mais tu sais qu'en monde 3, quand t'es paragon, pour monter, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc... Bah oui, les mobs, ils te donnent plus 100% d'XP. Bah oui, et puis c'est surtout le loot hein, que je vois, moi. Ah, après, tu lootes à ton niveau. Bah oh, oui, mais tu lootes toujours mieux en monde 3 qu'en monde 1, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Putain, le poney. J'avoue, depuis que je suis passé avec toi, je suis en monde 1. Faudrait que je repasse en monde 2, il y a oh, pas... Je suis en monde le 2, monde 3, il se débloque automatiquement ou... Non, ouais, il faut finir l'histoire. Il faut que tu finisses l'histoire et il y a un donjon à faire une fois que l'histoire est débloquée. Elle est finie pour passer. Mais que je sois en monde 1 ou 2, ça change rien. Bah franchement, non. Je vois pas la diff. Hein. Et ensuite... C'est ce qui est dommage d'ailleurs. Tout le monde dit que ça sert à rien d'être monde 2. Tu prends juste Tucheur pour rien. Oui, oui. Je n'ai plus d'énergie. Un dimanche matin. Un enculé, quoi. Là, je suis de la chanson. Un autre petit conseil, si tu veux avoir un bonus XP supplémentaire, tu utilises les élixirs. Ouais, c'est plus 5%. Oui, c'est pas bête ça. Impossible. Hop. Toujours 5% en plus. Ses couilles.
Je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prête. J'ai eu mon premier bug aujourd'hui, je suis sorti d'un donjon, c'est resté tout noir, j'ai rien compris. Cette nuit c'était buggé, c'était en maintenance, c'était horrible. Ah ouais, des fois tu peux plus quitter tes armes, c'est chiant. En plein donjon, t'es bloqué, tu peux plus rien faire, c'est le bordel. Il faut attendre. Et il y a un mode joueur contre joueur en fait. Ouais. Ouais. Il y a deux zones d'accord. Sur la carte où c'est du joueur contre joueur. Ok, d'accord. Parce que je regardais les succès. Je vois machin, il y a un match. Attends, c'est Diablo ou j'ai un truc que j'ai pas pigé. Ouais, j'ai pas compris. Ah, une erreur et sont venus recharger. Et nul secret ne leur sera dissimulé. Les menteurs et les voleurs savants de ce monde périront. Dans le regret. La maintenance est terminée. Nous avons remis en ligne. Nous continuerons de surveiller la stabilité. Non mais c'est comme s'il y avait des milliards de joueurs sur ce jeu de merde. Putain. Ils vont... Grave, c'est ridicule. Non mais ils sont à chaque mise à jour, à chaque sortie de saison. J'ai l'impression qu'ils mettent un coup de pelle pour s'enterrer eux-mêmes, tu vois. C'est assez incroyable en fait. On peut les aider, ça, il n'y a pas de soucis. Oh, pour ça, ils se débrouillent très bien tout seul, on est crainte. À chaque truc, c'est un flop là, comme là, j'ai vu, là, entre guillemets, j'ai vu 10 minutes de la vidéo du G.I. Joe là. Ah, les gens qui disent qu'il n'y a pas de contenu, hein, c'est n'importe quoi, il y a toujours un truc à faire. Ah, il y a de la pêche. Ah, il y a de la pêche, ouais, super. Non, mais c'est tellement de la merde. Fish Simulator, tu sais. Y'a rien, en plus il y avait un gameplay un peu sympa où t'orientes ta ligne, où tu les remontes. Bon, là t'appuies sur A et ça remonte tout seul. Puis même je suis désolé, moi je joue pas à Destiny pour faire de la pêche quoi, vraiment. Ça m'a jamais intéressé. Ah, j'ai visité la carte. C'est quand? C'est mardi soir. Ouais, mardi soir, j'ai été. Ouais, j'ai dit, tiens, je vais voir le mode histoire un peu. Si... Pouf! J'ai fait deux plongées profondes et puis l'autre truc là, et puis voilà, c'était fini. Je dis, mais c'est sérieux là? Bah, t'as fait à peu près comme moi en fait. Ouais, y'a rien. Et apparemment, c'est un des meilleurs contenus depuis un moment, mais. ils ont tellement tiré sur la corde. Ouais, c'était non pas mais mal. Au niveau saison, la saison est vraiment pas dégueulasse apparemment. Ah bon? Mais la saison est pas dégueulasse, c'est peut-être intéressant mais... C'est que la deuxième saison qui sort, mais... Moi j'ai l'impression qu'ils sont en panne d'aspi, vraiment, ils savent plus quoi faire en fait. Donc ils font traîner les choses. En fait ils ont Final Shape, normalement c'était la deuxième partie du scénar, et en fait ils l'ont... Ils se sont dit tiens, ça... Si on mettait tout en deux saisons, enfin en deux... En deux DLC plutôt qu'un, et bah voilà, donc c'est pour ça que c'est pauvre. Ouais, parce qu'ils ont pas d'idée pour ce qu'ils vont faire après Final Shape. Et puis on va pas se le cacher qu'ils sont surtout en train de travailler sur leur putain de jeu... Marathon à côté, clairement. On va pas se mentir non plus sur ça. Hein.
encore un jeu que je vais pas jouer. On verra ce que c'est, mais pour l'instant je vais être très 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 sceptique. Quand ils ont montré le... la bande-annonce du jeu... C'est pas ouf. Bon perso, je me dis déjà qu'ils n'arrivent pas à gérer le PVP de Destiny. Et là ils veulent faire c'est un exactement jeu... ce ils que veulent je faire me suis un dit. Jeu PVP. Mec, à part les Cronus et les cheaters PC, le jeu, il est... ton jeu, il est fatigué, vraiment. Moi, le PVP, je mets jamais, mais jamais les pieds dessus. Vraiment, quand j'ai besoin vraiment que je joue une arme en PVP, je pourrais dire à ma femme de faire le PVP à ma place. Voilà, donc, parce qu'elle s'en bat les couilles, il y a les zen. Bon, ça, c'est un truc à ce que mon point, il traverse l'écran. Ah ouais. Moi, je peux pas, hein. Ou alors que je me fasse bannir du Xbox Live pendant un mois, comme ça m'est déjà arrivé. Ah, je te jure, pendant un mois, quand je liveais sur PUBG avec, avec mes potes, on s'appelait sur Messenger. Donc en live, t'avais le téléphone plus... Le chemin des archives interdites. Il compte invoquer un démon inférieur. Il a quoi? Lequel, bon sang? Où ça? Ah, on l'ignore, évidemment. Elias pourrait recouvrir les steppes de sang, mais un démon inférieur pourrait totalement dévaster le continent. Venez, le laquais d'Elias est à l'intérieur. Espérons qu'il nous guide à lui. Il protégeait ce pauvre fou, Jenbar. Je reconnais l'œuvre d'Elias. Mais où est-il? La réponse est dans son estomac. Dégueu. Il ressort des morceaux de main et d'humain là-dedans. C'est très délicat. Dégueulasse. Une main de noble. Elias devait nourrir cette créature avec autre chose que de jolies bottes. C'était le fils de quelqu'un. Ou la fille. Il faudrait brûler les démons. C'est ignoble. Ah, ce médaillon porte l'emblème du régent de la maison royale de Gul'ran. De l'ancien régent. J'avais remarqué. Ça suffit, vieil homme. Les morts méritent le respect. Les morts ne méritent rien tant que les vivants sont en danger. Ouais, c'est très long, le niveau 49, je l'ai senti passer. Hein, les morts ne signifient peut-être rien. Ah non, niveau 47, putain, je me peut apporter la paix à ceux qui portent encore le deuil. Très bien. Si nous voulons trouver Elias, alors nous devons aussi nous rendre à Gul'ran. Jusqu'à 100, et encore. Rendez-vous là-bas. Ouais. Et tâchez de ne pas tarder. Pour ça, quand je vois des mecs, en 4 jours, ils ont atteint le niveau 100, j'aimerais bien savoir comment ils ont fait, quoi, vraiment. Quoi, faut monter les niveaux. Évitez les portes de la ville, elles grouillent de cannibales. Rendez-vous aux falaises, nous y trouverons de l'aide. Augmenter le niveau de difficulté, je pense. Ouais, mais bon... Tu te vois jouer 4 jours non-stop, franchement. Après, alors, je peux te dire que même en monde 3, ça monte pas tant que ça. Mais c'est ça. T'as levé combien, Yann? 60. 60 et il me faut 5 donjons pour passer un niveau. Bon, il va falloir que je cavale à travers la pampa pour aller rejoindre le mec là. Putain, casse les couilles. Ils auraient pu filer le cheval dès le début, hein, putain. Je comprends pas pourquoi le cheval c'est un truc de ouf. Tu vas plus vite à travers la carte, d'accord, mais quoi d'autre? Augmentation artificielle de la durée de vie. C'est comme là, le pass de saison, là il arrive... Moi j'ai pris la version à 100 balles. Donc théoriquement... il va falloir que je refasse un perso pour level up en fait le pass de saison, quoi. Il faut attendre. Il a eu le seum.
Oh, hey, Talia, t'es chiante là. Merci. Comment qu'il parle à son chat? Merci Talia de me venger de ton maître. Pauvre chat. Elle est malheureuse, qu'elle en peut plus. Ah ouais, t'es méchant, pauvre chat. Bah. Pauvre chat. Ouais. Miaou. Miaou miaou. Miaou miaou. Ça me rappelle la chanson de Page. Page? Ouais. Tu tapes là tout de suite sur YouTube, là tu vas sur YouTube, tu tapes page P de A G E et son titre c'est ferme ta chatte. Tu vois, t'en fais de ses chansons lui. Je suis pas à la page. Mais c'était le Killer Bee qui avait fait connaître. C'est l'autre Dylan. Ouais. Qu'on l'avait aidé et elle fait connaître cette musique là. Miaou miaou. Et à chaque fois qu'on jouait après il la remettait. Je me rappelle, je l'avais envoyé ça le gars. On était en train de faire un raid, je sais pas quoi, le mec qui jouait il était dans son bain quoi. Putain. Ah il m'avait fait péter un câble. Je dis mais c'est quoi ces bouts? Il jouait dans son bain. Je te jure, il dit ouais mais oui, parce que dans son bain, Killer Bee, je suis dans mon bain, je voulais pas vous faire un plan pour le raid. Je dis putain mais t'es sérieux mec? Il était sérieux. Normal. Ah il m'a fumé un jour là, putain. Bon bah maintenant d'après ce que m'a dit Yann, il est retourné sur Lyon donc. Bon vas-y tu sais quoi, je vais avancer dans l'histoire, au moins je serai sûr. Franchement moi je fais ça aussi Zapan parce que. Ouais. Vas-y je commence avec toi. Oh. Oh, c'est bon. Ouais, moi ouais j'ai cavalé. Hein. Mais après, enfin je sais pas si c'était sur mon live, mais je sais pas, il me manque un. Une route à découvrir sur la carte 2, j'arrive pas à la trouver. J'arrive pas du tout à. Attends, la j'ai pas regardé. Non, moi j'ai pas tout dévoilé encore. Ah, je si, si, moi je me suis fait chier hier pour la Renault comme ça. En fait, quand tu passes. Sur 8. Quand tu passes en monde 3, bah tu récupères la Renault que t'as accumulée en fait. Et que t'as déjà débloqué quoi. Ah. Ça, je terminerai ultérieurement de chercher tout ça. Une fois que je serais pas en gond, je pourrais faire muse avec toutes ces merdes. Bah déjà, c'est ce que je me disais, dommage mais je me suis dit, au moins, je peux... Enfin, psychologiquement, ça va moins me gratter, au moins, d'avoir tout découvert. Mais hier, pendant au moins une demi-heure, je suis là, le cheval pour faire ça. Je zoome la carte et tout, je cherche la seule route de c'est exactement ce que je me suis dit aussi, Nacho. Avec le cheval, parce que là, marcher, ça me casse les couilles. Ouais, les esprits faibles se rencontrent. Ouais. Combien de messages? L'intelligence est une faiblesse. L'autre il a la flemme de faire ça à pied, l'autre il veut pas faire 40 minutes de voiture. Elle est peut-être la seule à savoir où se trouve le tunnel. Je sais pas, parce qu'à chaque fois que tu parles du trajet, c'est une durée différente. Ouais, 20 minutes, ouais, 45. Mais parce que Laure, elle parle en heure. Mais gros, je vais mettre la batterie dans ma bagnole, je vais mettre un peu d'essence, et toi et moi on va aller faire un tour avec. Et après tu te diras, bah ouais, c'est 40 minutes. Oui, je connais comment Dark qui conduit. C'est bien surveillé. Ah non, mais je vais pas y aller. Hein. Moi j'ai pas dit ça. Hein. J'ai pas dit que j'allais y aller. T'as vu tout de suite la femme sur cette route-là, voilà, tout de suite là. Ah, la police, c'est là. Bah quoi, c'est vrai, ils sont. Mais qui t'a dit, est-ce que j'ai dit de ma bouche, je vais venir? Oui, t'as dit, je vais mettre la batterie et je vais te montrer c'est quoi. Bah ouais, comme ça il ferme sa gueule. Voilà. Mais j'ai pas dit que j'allais à la Prova, bah ouais, donc allez, lâchez le micro. Si tu viens, voilà. Non, bah moi je serais content si tu faisais 40. En fait, c'est pas si tu veux pas me voir. Voilà, bah voilà. Ouais, il a tout découvert, les gars, c'est bon. Si c'est moi qui conduis. Faites tomber le fond vert, les gars. Applaudissez. Il a tout bien. Oh, mais ils sont énervés. Il a peur de moi. Il a peur que je lui parle en allemand. J'ai surtout peur de ce que je pourrais te faire si tu le fais en face de moi. Ouais, moi je sais que Nacho en fait il fuit parce qu'il a pas le rochoir des billes dans la tête. Je suis d'airsoft moi aussi. Hein. Ah, c'est pas pour ça que t'es à l'abri de t'en prendre une. Ouais,
Ouais, mais la trois patates nulle d'airsoft, ça putain, on a chaud. Oh. Je crois qu'on a pas entendu là. Je ne suis pas encore prêt. Mais, eux ils font des coups critiques. Putain, mais en plus il me ralentit là. Sac à merde. Putain de mob. J'ai un cul critique. Qu'est-ce que tu veux? Ah, Dark aussi. Ah, mais j'aurais même pas mon selfie avec un cul de doudou. De toute façon, tu l'aurais pas eu, t'es malade ou quoi, toi? Putain, qu'est-ce qu'il fait lourd, bordel? Bon, ça va encore. Mec, il est dans le nord, il fait 5 degrés. Je ne suis pas encore prête. Bon, je fais 24. Bah, t'as de la chance, mais c'est 30. Moi, ça me dit 24. Sur les doigts, je te dis même pas. Ça me dit 24 sur le PC. Si je... Là, mais maintenant en Alsace, ouais. Crève. Ah. Maintenant, je sais que j'ai pas de vin, je peux crever la bouche ouverte, on s'en fout. Une pute. Putain, mais faut que je pose des pièges partout là, y'a des mecs dans le désert, ils sautent là, ils te font mal. Ils sont plutôt faibles. D'accord. Avec moi, il y avait un mec. Et il marchait longtemps. Très longtemps. J'ai envie de recommencer un nouveau perso aussi. Ah, finir l'histoire au moins avec un. C'est l'envie en fait, ouais, c'est ça. Même moi, j'avais l'envie, je me dis, tiens, je vais me faire une sorcière, mais j'aimerais bien tester la glace parce que j'ai testé le feu, j'ai testé l'électricité, et j'aimerais bien tester la glace. Gaffe, Yann, il risque de te la bouffer. Oh là là, les mouches. Ils... En fait, les mouches, ils te font pas mal, mais ils te ralentissent. Ils te stun, j'ai l'impression. Quelle guerre chiante, sans déconner! Ça, c'est un gentil chat. Ouais, chasse. Il est vraiment comme. C'est insupportable! Ça, c'est un gentil chacha, ça. T'auras des bonnes croquettes. Allez, j'en reviens. Elle va apprendre à voler! Font mal les barbares là. Mais je sais pas, le loot là il est vraiment moisi là. Putain, pourtant j'ai mis le monde 2 exprès là. Putain, il fait mal ce bâtard. Il faut attendre. C'est quoi le cheval? Il faut attendre.
faut attendre. Saleté d'oiseaux de merde. Ils sont chiants. Hein. Ouais, moi je dis vous allez être déçu du cheval. Pourquoi? Elle avance pas vite. Tu peux pas mettre au galop H24 quoi. Ah bah ça c'est normal en même temps. Je ne suis pas encore prête. Bon, je peux plus rien porter et apparemment j'ai looté de la merde. Alors, on va se TP. On va aller vendre tout ça. Besoin de ferronnerie, de réparation. Un forgeron qui est pas en train de forger, ok. Hop, hop. Il y a beaucoup de choses à garder. Où c'est que je pose mes vêtements ici? Ok. C'est parti. Diablo 3, c'était pas mal. L'autre perso, tu pouvais lui foutre aussi des trucs dessus, tu vois, ramassais. Ouais. Bah, rien ne t'empêche de mettre des trucs dans le coffre. Le seul truc que je mets, moi, c'est. C'est les pierres. Ah, mais c'est pendant les déplacements, les trucs. Non, allez, on y retourne. Pas trouvé ce truc de crâne aussi là pour améliorer mes potions. J'avais pété des ours, mais. Non, dans les donjons, je t'ai dit. Ouais, mais même les donjons, j'en ai fait plusieurs. Voilà. C'est un jeu de farm maintenant. Une fois que j'aurai le cheval aussi, je vais commencer à faire tous les. Il faut attendre. Tous les donjons en portant du bas. Là, t'as fait les donjons, tu montes un déjà, non? Pas tous. Ah, moi je les ai tous fait. Oh, j'ai même fait un billet pour ça. Yann, il était là, j'ai fait un billet. Bon, je suis tombé sur un Québécois un peu cucu, mais. Et puis un monsieur, je sais tout, mais. On est tombé sur Esti du 7-7. Je voulais pas dire son blaze, mais bon, allez, c'est tombé. Il fallait le dire aussi. T'as toujours pas compris que moi je m'en bats les couilles. Ouais, je sais, c'est malade quoi. Ouais, mais moi au moins mon micro il est ouvert quand j'ai des trucs à dire. C'est pas faux. Oh la pauvre. Tout à fait. C'est vrai. Moi si tu craches sur les gens, ils entendent ce que tu dis quoi. Je ne suis pas encore prête. Tiens, ça peut être piaf. Putain, mais hey, le loot, il suit vraiment pas. Là. Je suis en train de faire l'acte 3. Je crois que j'ai pris trop de niveaux comparé aux actes. Parce que quand ça, j'avance, ça me dit niveau 45. L'acte 3.
Je peux monter là-bas après. Il fait une chaleur là, ça coule tout seul, putain. Ça peut pas me faire de mal une petite tuile. Avez-vous vu quelqu'un du nom d'Oyun? Vous êtes fou! Sauvez-vous! Avez-vous vu quelqu'un du nom d'Oyun? Je ne sais pas. Les cannibales sont en train de rassembler tout le monde. Ils les tuent, ils les dévorent. Mais ils emmènent quelques personnes vivantes dans les prisons, d'après ce que j'ai entendu. Pourquoi est-ce que ces monstres épargneraient qui que ce soit? La prison. Oyun est peut-être encore en vie. Il a fait du chivetcha. Non, j'étais avec la pote qui m'a donné le chat justement. Et le sien a disparu, donc elle est un peu vénère. Hein. Ah merde. Elle est complètement paniquée du coup. Je cherche quelqu'un du nom d'Oyun. Les cannibales. Moi le chat, je m'en rappelle. Putain, t'as vu où j'habite, réseau. J'habite, hein, Yann. Le chat, il avait sauté du. Enfin, moi j'habite au 6. Mais il était dans notre chambre, il a sauté du 7. Putain. Et on l'a retrouvé dans le dans les trucs en bas. Oh, les deux avaient sauté du 7. Ouais, ouais. C'est des ouf, les chats. Ils ont rien eu. Je vais me faire sortir du jeu. J'ai perdu la connexion. Ouais, c'est pour ça, moi, bébé, va pas sur le balcon. Elle me casse les couilles, mais... Ils ont rien eu, nous, hein. Ils tombent sur leurs pattes. Moi, je rentre, je la vois pas, je te jure, je suis en panique de ouf. C'est moi, le chat il peut faire ce qu'il veut, hein. Par contre si mon cher s'en va à Alberi, là par contre tu sors pas, hein. Ça c'est sûr. Ah. Viens mon chat, chat. Je déconne, je peux plus sélectionner mon perso, à part créer un nouveau perso, je peux rien faire. Sur quoi? Sur des deux? Tu recommences. Non, le jeu il a crashé, vous avez perdu la connexion, il m'a sorti du menu. Tu parles de quoi, de Diablo principal. Ouais. Chelou. Et maintenant, bah, je peux rien faire, je suis obligé de quitter complètement le jeu et le relancer, je pense. C'est ce qu'on a eu hier. Ah, j'ai jamais eu ça encore. Enfin, ce matin. Quitter le donjon, il est fini. Ça va te bloquer d'un coup, tu pourras plus utiliser tes armes. Ah, mais de toute façon, là, je pouvais même plus relancer ma partie avec mon perso. Je suis quitté complet le jeu. Ça, c'est le karma d'un show. Ouais, c'est les 20 minutes, tu peux pas les faire. Ah, la chose, ça, c'est. T'as déjà vu la série Earl? Ah, bah non, j'ai rien dit. Connexion au jeu perdu, votre client, vous avez été déconnecté du serveur. Ah, le karma, il m'a instanté. Tu viens de l'avoir? Ouais. Merde. Y a impossible de se connecter, BattleNet. Ouais, apparemment, ils ont dû crasher leur serveur.